Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sensation. Il est devenu l'accessoire numéro 1 de nos vies en 2020. On ne peut plus sortir sans. Je parle bien sûr du masque, évidemment, élément désormais incontournable de nos vies. Nous l'avons tous au moins oublié une fois. C'est en tout cas le cas de notre invité, Fred 209. Bonjour. Salut Corentin. Alors vous êtes chanteur. Cette situation vous a donné, vous, envie d'écrire une chanson sur cette histoire du masque avec deux autres amis musiciens, Stéphane Lecomte et Yvan Boncet. Vous avez composé « Merde mon masque ». C'est vous qui avez eu cette idée. Comment est-ce que vous avez décidé d'écrire ce titre ? Alors rendons à César ce qui appartient à César. En fait, tout a commencé en octobre 2020. On fêtait mon anniversaire. Autour de la table, il y avait effectivement, donc c'était une tablée de musiciens, et ma compagne, qui est quelqu'un qui a la tête en l'air, c'est quelque chose d'incroyable. Et pendant le repas, qui était donc pré-confinement, je le précise, c'est pour ça qu'on était tous réunis ensemble, elle nous dit « j'arrête pas d'oublier mon masque, et vous, ça vous arrive pas ?» Et puis tout le temps, cette expression me revient « et merde mon masque, les gars, vous devriez écrire une chanson sur le sujet ». Et là, on se regarde les uns les autres, on prend nos téléphones portables, on va checker un petit peu d'où vient cette phrase, enfin, on regarde, on se rend compte sur le web et sur les réseaux que c'est une phrase qui a été, enfin, une expression qui a été élue la phrase de l'année par les Français en 2020. Déjà en mars. Non, c'était pas en mars, c'était en octobre 2020. Corentin, faut que tu me suives. Et donc, on décide effectivement d'écrire ce titre, et un mois après, le morceau était mixé, masterisé, dans la boîte, prêt à être diffusé. Voilà. Et c'est parti pour ce titre. Je vous propose tout de suite qu'on écoute un extrait. C'est disponible aussi sur votre chaîne YouTube. Bien sûr. Fred 209, écoutez. À l'école des petits, c'est la frénésie. Au collège, au lycée, à la fac aussi. Si tu oublies ton masque, faut que t'en paies le prix. Plus le droit d'étudier, mon pote, t'es maudit. Boulot, resto, bistrot, métro, dans les boutiques, dans la rue, on te traque. On te matraque, tout hypochondriaque. Même tout seul chez toi, sans ton masque, c'est la crise cardiaque. Merde, mon masque. Merde, mon masque. C'est encore l'une de mes frasques. Voilà, pour le titre « Merde mon masque », c'est ce que ça a donné, ce repas finalement. On entend une voix féminine dans la musique, de qui s'agit-il ? Eh bien, elle s'appelle Sally, c'est une chanteuse professionnelle qui, par sa voix groovy, funky, a apporté une véritable valeur ajoutée à ce morceau. Et c'est ma petite sœur, tout simplement, avec qui d'ailleurs je chante, on en reparlera un petit peu plus tard, mais dans mon activité habituelle de chanteur, on est en duo très souvent et on se produit un peu partout en Normandie tous les deux. Voilà. Alors si d'habitude les Français connaissent très peu le prix des amendes, là 135 €, on l'a tous eu en tête, pour un simple oubli, ça fait quand même très cher, non ? Bah, ça fait cher l'oubli, en même temps je pense que l'État avait envie que l'amende soit dissuasive. Si on l'avait mise à 22 € ou à 17 €, je crois que le prix d'une amende de stationnement, je pense que ça n'aurait pas fait son effet, donc il a fallu taper un petit peu fort. Mais ouais, pour l'oubli d'un petit bout de papier, ces deux élastiques, ça coûte cher. Après, pour les conséquences que ça peut avoir... Voilà, je vous laisse seul juge. Alors, cette musique, c'était dans l'optique de dénoncer certaines mesures un peu absurdes ou pas du tout ? C'était juste humoristique. C'était en fait, est-ce qu'il y avait une visée un petit peu politique derrière ? Alors, surtout pas. Et d'ailleurs, tout au long de l'écriture de ce morceau, il y a toujours eu des garde-fous qui étaient Stéphane, Yvan ou d'autres à qui je faisais écouter les paroles et qui disaient « Attention, là, on se politise un petit peu trop. Attention, là, on devient... » Voilà. Et on voulait surtout pas entrer dans ce sujet-là. L'objectif, c'était... cette chanson, elle est vraiment basée sur cette phrase de l'année qui a été élue par les Français en 2020. Point final, rien d'autre. Et donc, une approche un peu plus légère, humoristique de la situation tellement lourde dans laquelle nous sommes maintenant depuis bientôt un an quand même. Donc c'était vraiment l'objectif du léger, rigoler, et puis on va pas s'en cacher de faire rire un peu les gens et de buzzer avec ce morceau et cette phrase-là. Avec cette phrase, donc l'humour primordial. Absolument. Avant la polémique, c'est important de le préciser. D'où vous vient, vous, cette passion pour la musique ? C'est depuis tout petit ? Ouais, ça a toujours été. Je suis musicien depuis toujours. J'en ai fait mon métier. Je suis donc effectivement intermittent du spectacle. Je ne suis pas que chanteur. Je suis aussi régisseur son et lumière. Mais en tous les cas, je chante et je suis guitariste depuis toujours. J'ai écrit à ce jour peut-être une soixantaine de compositions. Voilà, c'est ancré en moi. C'est une partie de ma vie, une partie de moi. Et ça a toujours été et ce sera toujours. Voilà. Comment est-ce que vous décririez votre style musical ?
Alors, je pense qu'il ne faut pas se cacher. Je fais de la variété française, de la chanson française bien souvent, et c'est vraiment très variété. Et c'est volontaire, puisque l'objectif a toujours été, et pareil, sera toujours, de toucher un large public. Et le sens, dans le sens populaire, au sens noble du terme. Voilà, moi, j'aime les gens, j'aime l'autre, j'aime qu'on soit égaux. Et ça a toujours été important de m'adresser à un tout à chacun. Voilà, donc c'est vraiment populaire à 100% et je l'assume vraiment très bien. Vous aimez les gens, vous aimez l'autre, vous faites des duos aussi, vous aimez partager cette passion pour la musique, c'est important le partage. Toujours. C'est-à-dire que dès qu'on a cette possibilité de faire monter quelqu'un sur un plateau, sur une scène, on le fait toujours. Dès que, comme là, pour Sally dans ce morceau, au départ elle n'était pas du tout prévue dans ce projet, et puis elle est passée pour qu'on enregistre une autre chanson pour elle dans mon studio, et je lui ai dit bah tiens, participe au truc, pose tes voix, et comme ça on les a gardées, et finalement elle a participé au clip, et puis elle a été également diffusée sur tous les médias puisqu'on voit sa tête alors que moi non. Donc voilà, il y a toujours effectivement cette notion de partage, on invite à partager. Alors vous êtes musicien et intermittent du spectacle, vous l'avez dit, en ce moment le milieu de la culture souffre beaucoup, il a du mal. Vous, comment est-ce que ça se passe pour vous, comment vous vivez cette période, cette année noire un petit peu pour la culture française? Alors il y a deux positions, il y a celle vraiment au niveau boulot pur intermittent et l'âge de la vie comme tous les intermittents, c'est-à-dire mal, parce qu'on ne travaille pas du tout, parce qu'on ne peut pas se projeter, parce que financièrement c'est compliqué, parce qu'on ne sait pas où on va, donc ça c'est vraiment compliqué. Et puis j'ai la chance justement d'avoir ces projets comme Merde mon masque et peut-être d'autres qui arrivent, et qui fait que on s'occupe l'esprit, que je travaille avec des intermittents, parce que du coup c'est des petites équipes. Là on m'a proposé peut-être un tournage avec une autre équipe d'intermittents justement qui ne savent pas trop quoi faire, et on s'est dit bah tiens, on a du matériel, on a des locaux, on a du temps, allez, on s'y met tous ensemble, de nouveau le partage d'ailleurs. Donc j'ai quand même cette chance d'avoir ces projets qui me tiennent hors de l'eau, mais voilà, j'ai contact avec pas mal d'amis qui sont dans ce métier. Enfin, d'ailleurs intermittent n'est pas un métier, hein, c'est un statut, et pour eux c'est très très compliqué. Et encore une fois je le redis, on ne sait pas où on va. Je fais aussi du bénévolat pour les Restos du Cœur. Enfin, on essaie de trouver des solutions pour ne pas rester oisif et pas s'enterrer dans son chez-soi, se morfondre et à ne pas savoir ce qu'on va devenir, quoi. Des projets quand même pour 2021 et pour la suite? Bien entendu. On est en plein enregistrement du deuxième morceau. Alors, on ne peut pas dire la suite de Merde mon masque, mais en tous les cas, la suite du buzz médiatique qu'on a rencontré, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Lorsqu'on a fait Merde mon masque, pas mal de télé, donc on fait le relais de ce morceau. Et du coup les maisons de disques se sont quand même intéressées à la situation. Ils n'ont pas signé parce qu'ils ont estimé qu'on aurait dû venir les voir avant, étant donné qu'on a tout produit nous-mêmes, ils n'avaient plus rien à faire, c'est pas grave. Ils nous ont par contre dit les portes sont ouvertes, si vous faites autre chose on veut entendre en premier, et on est en train de travailler sur un morceau. Alors je peux en dire un petit quelque chose. Pour l'instant tout le monde nous demande sur les réseaux de quoi on va parler. Je fais des petits posts Insta, Facebook pour dire alors à votre avis de quoi on va parler, parce qu'on est là aujourd'hui ensemble et que ça me fait plaisir. Je vais vous donner une petite info. Disons que le mot d'ordre de la chanson sera vivre, pas au sens de Johnny Hallyday, parce que l'envie on l'a clairement, mais disons que cette chanson commencera par mars 2020 d'ailleurs, et puis tout d'un coup on va être déconfiné et qu'est-ce qui va se passer. Voilà, ça parlera de ça, on est en plein dedans. Merci beaucoup Fred de Saint-Neuve d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'auteur et chanteur de Merde mon masque, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation. Et en attendant, on se quitte quand même en musique, on se réécoute Merde mon masque. Merci Corentin et merci à Sensation, et on se retrouve sur tous les réseaux Fred de Saint-Neuve, Insta, Facebook, YouTube. À bientôt. On te matraque tous hypochondriaque, même tout seul chez toi, sans ton masque, c'est la crise cardiaque. Merde, mon masque.